Un bâtiment vétuste d'un étage est sur la toiture des baraques. Nous sommes à Adjamé Boulevard, Nanguia Brogua, quelques mètres du Forum des Marchés. Vu de près, cet immeuble présente des signes d'agonie profonde, signe d'un effondrement imminent. À l'horizon donc, l'immeuble tombe en ruine. Un immeuble pourtant habité et en dessous, la vie se déroule tranquillement en dépit du danger. Ça nous fait peur. On veut qu'on répare car c'est dangereux. Beaucoup de personnes passent ici. Les commerçants, les commerçantes courent un gros risque. À n'importe quel moment, ça peut tomber. Il y a des parties qui commencent à tomber. Le propriétaire dit être à bout de souffle. Depuis plusieurs années, il demande aux commerçants et autres habitants de libérer le bâtiment en vue de sa démolition. Les locataires ne veulent pas quitter la maison. On allait prendre un expert même pour expertiser la maison, pour leur montrer ça et leur donner les préavis pour qu'ils puissent sortir. Ils disent qu'ils ne sortent pas. Ils ne veulent pas sortir. Or, on ne peut pas casser la maison sur eux. Nous voudrons qu'ils quittent la maison pour ne pas que la maison fasse un dégât. Le district d'Abidjan a enregistré plusieurs effondrements qui ont fait des victimes. Il est encore temps d'éviter un nouveau drame.